Il a une heure de retard. Ça se trouve, il est en train de me chercher. De te faire saliver, hein? Exactement ce que tu combien, veux. Combien? C'est bien, Magina, attends. Je veux tout le paquet. Tout le paquet. Tu as bien compris. Règle numéro 1, ne pas brusquer son fournisseur. Numéro 2, ne pas s'énerver. On va s'inquiéter de mon absence là-haut. Très bien, le prix est à présent de 10 000. Dollars? Non, haricot. Oui, 10 000 dollars et la maison ne fait pas de crédit. Tu veux que je t'aide? Je suis très fort en maths, surtout pour les gros chiffres. Tiens, les voilà tes 10 000 dollars. Je crois qu'il faut que je recommence. Oh, je t'en prie. Ah bon, alors, c'est pas la peine. Et voilà la petite livraison. Un comprimé, deux comprimés, trois comprimés. Tu dois me donner tout le paquet. Ça, ces comprimés valent une fortune. Oui, une petite fortune, c'est vrai. Et entre le prix que je les ai payés et mes petits frais professionnels, tes malheureux billets auront vite fondu. Et puis, il faut bien que j'en garde quelques-uns pour la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Donne-moi tout. Ah, pas question, pas question. Rien à faire. J'ai les comprimés et j'attends le pognon. Et puis, ça va être un plaisir de te revoir trois fois par semaine. Tu me manques, tu sais, Gina. Tu sais, ça a été bien agréable l'autre jour, ma belle. Je t'en prie, Hank, ne t'approche pas. Oh, tu ne peux pas me mentir. Je sais que tu as apprécié, toi aussi. Toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Tu ne peux pas devenir une capouelle. Pas longtemps, en tout cas. Tu reviendras bientôt à ton chéri. Assez regrettable pour toi, mais c'est comme ça. Allons, ma belle, reconnais-le. C'est moi que tu aimes. C'est uniquement moi. Tu le sais bien. Hé, hey, qu'est-ce qui te prend? Je vais te tuer. Si tu fais un pas vers moi, je t'abats comme un chien. Oh, ça va, je suis pas dingue. Calme-toi. Ce que je veux, c'est tous les comprimés que tu as. Tu m'entends? Allez, voilà. Viens les chercher. Ben non, c'est ce que tu veux, non? T'as vraiment cru qu'une pauvre petite idiote comme toi allait réussir à me piéger? Écoute, Hank, je veux... Oui, et moi, je veux voir ton sac. Je parierais que t'as des petites économies. Allez, vite, donne-moi tout le fric que t'as. Bon, ça pourra aller pour commencer. C'est tout ce que j'ai. Non, je pense à autre chose. Tu as autre chose que je veux aussi. Je te jure, je n'ai plus d'argent. Je ne parle pas d'argent. Oh, non, je t'en prie, Hank, non, laisse-moi tranquille. Alors, allez, fais comme autrefois. Supplie-moi. Fais comme tu faisais avant, hein? Non, encore, je regrette. Allez,